Deuxième séance de préparation à la maternité par la sophrologie. Je vous conseille d'écouter régulièrement les mêmes séances avant de passer au mois suivant, afin de bien vous imprégner de toutes vos émotions propres à cet événement. Vous êtes au deuxième mois de grossesse et les premiers signes se manifestent. Somnolence, nausée, nervosité. Cette séance se déroule en position allongée. Choisissez donc maintenant un support confortable. Installez-vous confortablement, étirez-vous, bâillez. Si quelque chose vous gêne, mettez-vous à l'aise. Placez vos deux mains sur votre abdomen. Je vais utiliser le « je » maintenant pour offrir une meilleure concentration sur moi-même, pour mieux me rapprocher de mon corps. Je vais apprendre à le sentir, à l'aimer, l'accepter. Je vais tout d'abord me soustraire à mon environnement. La pièce où je me trouve. À la lumière à travers mes paupières closes. Peut-être au bruit, aux odeurs. Et je vais maintenant prendre conscience des points de contact de mon corps avec mon support, qui me disent que je suis là, dans une position allongée. Point de contact avec ma tête. Mes épaules. De contact avec mes bras. Mes mains sur mon abdomen. Ces mains qui offrent amour, tendresse à mon enfant. Le haut de mes omoplates. Avec mon dos.
fesses. Mes cuisses. Point de contact également avec mes mollets. Mes talons. Tous ces points de contact qui me disent que je suis là, allongée. Et je laisse mon respire se faire sans tension. Je vais m'offrir une plus grande détente par le visage. Je prends conscience du volume et de la forme de ma tête. Je chasse toute tension inutile de mon front. Je relâche mes paupières et je les laisse se poser sur mes yeux. Je chasse toute tension au niveau de mes tempes. De mes joues, de mon nez, je relâche mes lèvres et détends ma mâchoire. Je relâche également ma langue. Je reçois alors la forme générale de mon visage dans sa détente. Je continue en descendant vers mon cou. Ma gorge, je chasse toute tension inutile au niveau de mes épaules, de mes bras, conscience du volume et de la forme de mes bras grâce à la circulation qui se fait sentir jusqu'à mes mains. Le bout de mes doigts. Qualité de mes sensations. Qui remonte ainsi vers mes épaules. Mes omoplates. Et qui descend ainsi vers mon dos. Je chasse toutes tensions inutiles. Je m'aide de mon respire libre, qui
qui me fait prendre conscience de mon thorax. Ce relâchement musculaire descend dans mon ventre qui se libère de toute tension. Je relâche mon bassin. Périnée, ma région anale, mes hanches, je chasse toute tension au niveau de mes fesses. De mes genoux, de mes mollets, mes chevilles, cela jusqu'à mes pieds et le bout de mes orteils. Je prends maintenant conscience de toutes mes sensations corporelles, de la tête jusqu'aux pieds. Puis je fixe mon attention sur ma respiration et plus précisément sur mon expire. Chaque fois que j'expire, j'ai la sensation de descendre d'un palier supplémentaire vers une région de moi-même sereine et tranquille. Je me sens un peu plus détendue. Calme. Je reste à la limite du sommeil, tout en restant consciente de toutes mes sensations. Mes deux mains placées sur mon abdomen se sont rapprochées de mon enfant. Dans cette détente, je vais chercher l'image de l'objet ou du paysage que j'ai choisi la dernière fois dans ma mémoire. J'accueille toutes les sensations positives de ce lieu ou de cet objet. Je l'associe à mon image synonyme de bien-être. Je sais que je peux associer à tout moment cette image tout au long de la journée et des jours suivants. Puis je laisse doucement disparaître cette image.
vais activer maintenant mon corps. Doucement, je fléchis les genoux, les pieds glissant sur le sol. Qualité de mes sensations. J'apprécie peut-être cette position pour mon dos. Et je fixe maintenant mon attention sur ma respiration. À l'expiration, je creuse mon ventre et à l'inspiration, je soulève mon bassin vers le haut. Je retiens quelques instants ma respiration, puis je laisse doucement redescendre mon bassin jusqu'au sol dans l'expiration. J'effectue plusieurs fois à mon rythme cet exercice. Ainsi, à l'expiration, je creuse mon ventre et à l'inspiration, je soulève mon bassin vers le haut. Je retiens quelques instants ma respiration, puis je laisse doucement redescendre mon bassin jusqu'au sol dans l'expiration. Qualité de mes sensations. Je constate peut-être qu'à l'inspire, mon diaphragme descend. Je fixe mon attention sur mon diaphragme, mon abdomen, mais aussi ma colonne. Que se passe-t-il ? Quel est donc mon ressenti? Je reprends une respiration normale. Je récupère. Je repose mes jambes. Je laisse venir à moi l'objet ou le paysage que j'avais choisi, souvenir de détente et de sérénité. Je laisse maintenant disparaître cette image et je vais réactiver mon corps. Je vais porter mon attention sur mon périnée que je connais encore mal. Chaque expiration pour contracter le releveur de l'anus sans serrer les fesses. Plusieurs fois, à mon rythme. À chaque expiration, je contracte le releveur de l'anus sans serrer les fesses. Puis je me détends. Je vais activer mes bras et mes doigts. Pour cela,
je vais expulser l'air en creusant bien mon ventre et je vais inspirer profondément en levant les bras à la verticale vers le ciel. Je positionne mes doigts en griffe et je tire vers les épaules et en expirant, je pose mes bras le long de mon corps. J'effectue plusieurs fois cet exercice, toujours à mon rythme. J'expulse l'air en creusant bien mon ventre et j'inspire profondément en levant les bras à la verticale vers le ciel. Je positionne mes doigts en griffe et je tire vers les épaules. En expirant, je pose mes bras le long de mon corps. Qualité de mes sensations. Je reprends une respiration normale. Je récupère. Je laisse venir à moi l'objet, le paysage que j'avais choisi. Souvenir de détente et de sérénité. Je laisse disparaître cette image et je vais réactiver mon corps. Je fléchis à nouveau les genoux, les pieds glissant sur le sol. Mes genoux vers la poitrine. Dans l'expire, à l'aide de mes mains, je vais saisir mes cuisses et dans l'inspire, je vais rouler mon dos et amener ma tête vers mes genoux en enroulant mon dos et en tirant sur mes bras. Je reste ici quelques instants. Je relâche doucement dans l'expire. Je déroule lentement la colonne vertébrale. J'effectue plusieurs fois cet exercice à mon rythme. Mes genoux vers la poitrine. Dans l'expire, à l'aide de mes mains, je vais saisir mes cuisses. Et dans l'inspire, je vais rouler mon dos et amener ma tête vers mes genoux en enroulant mon dos et en tirant sur mes bras. Je reste ainsi quelques instants, puis je relâche doucement dans l'expire. Je déroule lentement ma colonne vertébrale. Qualité de mes sensations. Je vais maintenant récupérer. Je récupère à l'aide de ma respiration qui se fait naturelle et détendue. Je vais une nouvelle fois récupérer mon objet, mon paysage, qui apparaît maintenant plus rapidement. Je vais remplacer maintenant cette image par une image de moi-même. Je vais essayer de visualiser mon corps et ses formes.
regarder. C'est en moi que germe la vie. Si j'ai des difficultés, j'essaye de représenter ma tête et je descends ainsi, peu à peu, vers mes pieds pour me globaliser ensuite. Petit à petit, je vais laisser disparaître cette image de moi-même pour me repositionner dans mon environnement actuel, ici et maintenant. Il me suffit de m'offrir un respire plus soutenu, plus conscient. Toute mon attention sur mon respire. Je m'offre un respire plus fort, plus rapide. Par rapport à mon environnement, à la pièce où je me trouve. Situer peut-être les odeurs. La lumière à travers mes paupières. Les bruits et les sons qui m'entourent. Ceci à mon rythme. Puis je remue mes doigts. Je plie mes bras.
et ma salive. Je peux également remuer les orteils. Si je le souhaite, je peux fléchir mes jambes. Fléchir mes jambes, mais également fléchir mes bras. Lorsque je serai prête, j'ouvrirai les yeux sur un avenir positif. Toujours avec un respire soutenu. Un sourire peut-être sur mon visage. Lorsque je le souhaiterai, je me lèverai en me faisant pivoter sur un côté, tout en me remerciant de ce que je me suis donné à vivre.